Quelle est ta part de violence, voire d'autodestruction? Elle a été très forte. Elle a été très forte, notamment pendant ma dépression, où j'ai pensé à beaucoup de choses pas très cool. Je broyais énormément de noir, je ne mangeais plus, je ne faisais plus de sport, je ne dormais pas beaucoup. Et il y avait même des idées un peu beaucoup suicidaires même qui me venaient. Ça a été très très violent. Très très violent. J'étais bien dans mon malheur, mais ce côté-là violent, le côté où je voulais me mettre un terme à ma vie, ça a été très difficile, très marquant. Ça m'a aussi beaucoup marqué quoi. Une fois sorti de là, ça m'a beaucoup marqué de me dire que j'étais à deux doigts de faire une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Aujourd'hui encore, mes amis avaient peur que je fasse certaines bêtises parce qu'il y a certains jours où je n'étais pas forcément en forme. Ils avaient toujours cette appréhension-là parce que j'étais à deux doigts de faire une belle connerie, ouais. Une belle connerie. Il a fallu plusieurs interventions de plusieurs événements extérieurs. Il y a eu l'événement où un de mes meilleurs amis m'a dit, voilà, je fais un triathlon, est-ce que tu m'accompagnes? Je l'ai accompagné. On va au stade voir un match. On va au stade voir un match, puis le lendemain une course. Il y a eu aussi la rencontre avec Camille qui m'a beaucoup fait du bien. Mon arrestation par les gendarmes à Frontignan qui m'a beaucoup fait du bien aussi, parce que voilà, je roulais un peu comme un sauvage en plein milieu de la nuit en voulant faire une bêtise, et eux m'ont arrêté à Frontignan parce que je roulais un peu trop vite. Et voilà, j'ai eu droit à une leçon de morale qui m'a aussi donné un petit déclic. Et ça a été un moment fort aussi, parce qu'on a tendance à avoir l'image du mauvais gendarme, des forces de l'ordre qui sont méchants. Mais voilà, ce soir-là, ils avaient tout pour m'embêter, parce que je roulais très vite. J'avais pas de ceinture, j'avais rien du tout. Et ils m'ont juste fait une leçon de morale, voilà. Ils m'ont rappelé que j'étais pas tout seul, que si je me plantais et que je tuais quelqu'un en face, je pouvais faire plus de drame qu'autre chose. Que j'avais aussi une famille, un petit frère et une petite sœur. Donc voilà, il y a eu une discussion d'un quart d'heure avec eux. Et je ne remercierai jamais assez ces gens-là, qui ont été très conciliants à ce moment-là. C'était un drôle de moment, ça. C'est intéressant cette expérience que tu viens de raconter là. Vu du côté chauffard, on va dire, et les conséquences et incidences positives que ça a eu, cette relation avec Léonard. Ça a été très positif parce que je me rappellerai, on était à côté du stade de foot à Frontignan, et m'ont demandé de sortir, m'ont fouillé, ils ont fouillé la voiture. Ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Parce que je pleurais énormément, donc j'étais bien marqué, je dormais plus, donc j'étais très fatigué. Et ils ont eu la lueur de se mettre en face de moi et de me poser des questions. Ben, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu roules comme ça? Et quand je dis, la première question, ça a été pourquoi tu roules comme ça? J'ai dit, ben, j'ai besoin d'évacuer. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu pleures? Et quand je dis, ben, je n'arrive pas à faire le deuil de ma mère, du décès de ma mère, je me suis effondré encore plus en pleurant. Et j'ai vu ben, trois humains en face de moi. J'ai pas vu trois gendarmes, j'ai vu trois humains en face de moi. De suite, ça a été, ne pleure pas, faut pas que tu pleures, calme-toi. Voilà, ça a été vraiment très, très humain, très gentil. J'avais vraiment pas des gendarmes en face de moi, j'avais trois hommes. Trois hommes qui m'ont ramené à la raison, qui m'ont dit, ben voilà, regarde, à ce moment-là, un camion passe, ils m'ont dit, tu vois, regarde, tu roules vite, il y a un camion. T'imagines, tu prends le camion? Pense à ta famille, t'as une famille, oui, ben, j'ai un frère, une soeur, j'ai un père. Bon, mais pense à eux. Et puis, une voiture passe, il me dit, ben voilà, la voiture, c'était 4 h du matin. Voilà, il y a eu tout ça qui s'est. Une discussion d'un quart d'heure, qui m'a vraiment. Voilà, j'ai pas eu. J'ai rien eu, ils auraient pu vraiment m'embêter. Ils auraient vraiment pu m'embêter parce que j'étais vraiment en tort. Et je l'assume entièrement. Ils m'ont juste guidé, ils m'ont juste fait comprendre. Et ça a été, voilà, un élément déclencheur, puisque le week-end qui a suivi. Je suis parti au triathlon avec un de mes meilleurs potes, alors que je n'avais plus envie de rien. Le week-end après, on est parti au stade, on a fait une course ensemble, et voilà. Et puis, un enchaînement, voilà, un enchaînement, une action en amène une autre, et puis ainsi de suite. Et quand on commence à vouloir, eh ben,
on s'en sort petit à petit. Avec le temps, on s'en sort.